On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Okay, our third speaker for this morning is a prophet by calling and also a financial analyst. He's based in Ivory Coast, especially in the town of Abidjan, and is the leader of the Mission pour la guérison des nations, the Mission for the Healing of Nations. That's the name of his ministry, and he's the leader there. And in the Full Gospel Businessmen Fellowship International, he's a personal advisor to the president of Ivory Coast. And he's married to one wife. And her name is Stephanie Yavu. And they have two children. Two children. And the two, he wrote it 02. Meaning he can change the zero into one. Who knows? Ladies and gentlemen, our speaker for this session is Prophet Chio Namogo Adama. We just want to introduce to the audience the wife of our international president. The MC said that he forgot to mention, to introduce her to us because they are one. So by introducing the president, international president, he was introducing the first lady at the same time. But he said, no, Mohammed, when you take the mic, please do well to introduce our first lady. Mama, God bless you. So, we will receive now our brother, Prophet Chio Namogo. Nous allons recevoir maintenant, sous votre ovation, by a standing ovation, we will receive our brother, Chio Namogo. May the grace of the Lord be upon you. Nous allons simplement baisser la tête là où nous sommes. Nous allons, we will just bow down our heads. Et je vais prier le Seigneur. And I will pray. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes là et nous avons répondu à ton appel. Nous sommes là pour écouter tout le conseil que tu as pour nous, afin qu'ensemble nous soyons des témoins vivants. Dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème que je veux développer ce matin est le suivant. The theme I'm going to talk about now is l'évangile du royaume. The gospel of the kingdom. Et je vais lire simplement un passage. And I want to read a passage of the Bible. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. In Matthew, chapter 28, verse 20. La Bible dit, the Bible says, allez faire de toutes les nations des disciples, going to the whole world and make disciples of all nations, les baptisant au nom du Père, baptizing them in the name of the Father, du Fils et du Saint-Esprit, the Son and the Holy Spirit. Le verset 20 qui nous intéresse ici, verse 20 says, et enseignez-leur à observer, and teach them to observe, tout ce que je vous ai prescrit, what I prescribed unto you. Et voici, je suis avec vous tous les jours, and behold, I am with you all days, jusqu'à la fin du monde. The end of the world. Dans ce passage, Jésus donne une instruction à ses disciples. In this quotation, Lord Jesus Christ gives an instruction to his disciples. Un commandement. A command to them. Un ordre formel. An order, a formal order. Il leur demande de faire des nations des disciples. He told them specifically, I want you to make disciples from all nations. Et lorsque nous lisons le verset 20, and when we read verse 20, Jésus ne laisse pas la latitude aux disciples d'aller dire ce qu'ils ont envie de dire. Jesus did not tell the disciples to go and say whatever they want to say. Jésus-Christ ne leur donne pas la liberté de dire ce qu'ils veulent. It does not give them the permission to give them anything at
control. Mais il donne une précision sur le message qu'il doit véhiculer. But he gave them a precise message. Il leur dit, he told them, enseignez-leur. He said, teach them à observer, to observe, à pratiquer, and to practice tout ce que je vous ai what dit. I told you. Donc, si nous voulons être donc de bons disciples, so if we want to become good disciples, si nous voulons être des hommes et des femmes qui travaillent pour Dieu, if we want to be men and women who are working for the Lord, nous devons savoir deux choses fondamentales. We must know two fundamental things. La première chose est la suivante. Quel est le message principal? The message, the number one message the Lord asks us to do and deliver. Puisqu'il leur a dit, allez enseignez-leur à observer ce que moi-même je prescris. Because he told them, go and teach them what I told you. Nous devons savoir exactement. We must know for sure. Quel est ce message? What that message is. Afin de ne pas courir le risque d'être rejeté demain. So that we will not have a problem with the Lord tomorrow when we meet him. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent. Because several things have been said today. Mais la Bible parle d'un seul message. But the Bible talks about one single message. Et la deuxième des choses est la suivante. And the second thing the Lord is telling us, comment we have to be careful of, a présenter ce message, is how the Lord Jesus Christ himself presented the message he asked them to go and deliver. Comment il a rendu ce message accessible? How did he deliver that message? Aux foules qui l'écoutaient. To the masses and to the crowd that were following him. J'espère qu'on me suit. I hope we are together here. Et donc là, je vais lire plusieurs parties de la Bible. So, I'm going to read some passages of the Bible so that we can get it. Donc, dès sa prise de fonction, Jésus, après son temps de jeûne, after going into the fasting period, la Bible déclare qu'il a commencé à prêcher et à enseigner. The Lord Jesus Christ began to speak and to teach. Matthieu 4, verset 17. In Matthew chapter 4, verse 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous. Jesus car le royaume des cieux est proche. Jesus started his ministry by saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. À Matthieu 4, verset 23. In Matthew 4, 23, la Bible dit, the Bible says, Jésus parcourait toute la Galilée. Jesus was going throughout all Galilee. Il enseignait dans les synagogues. And he was teaching in the synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. And he was preaching the good news of the kingdom. Et guérissant toute maladie. And he was healing the sick. Et toute infirmité. He was healing the sick. Parmi le peuple. C'est extraordinaire. That's wonderful. Luc 4, verset 44. Luke chapter 4, 43. Mais il leur dit, he told them, il faut aussi que j'annonce, I must also announce, aux autres villes, to the other town, la bonne nouvelle du royaume good de Dieu, news of the kingdom of God. Et la suite m'intéresse personnellement. Il dit, car c'est pour cela, and he said, it is because of that, que j'ai été envoyé, that I was sent to the world. Tiens, un passage. And the last passage we're going to read, Matthieu 24, verset 14. Matthew 24. Verse 14. Et la Bible dit, and the Bible says, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. This gospel of the kingdom shall be preached dans le monde entier, in the whole world, pour servir de témoignage, so that it can be a witnesses, à toutes les nations, to all nations. Alors viendra la fin. Then the end will come. C'est extraordinaire. This is wonderful. Dans chaque évangile, in every gospel, Jésus a enseigné, il a prêché. Jesus taught us un message. A message. Et ces différents passages que nous avons lus. And all these passages we just read. Il y a un élément qui transparaît clairement. There is one element that appears. Nous voyons très bien que Jésus est venu annoncer un royaume. We see that Jesus came to announce a kingdom. Et la Bible même précise en disant, c'est la bonne nouvelle. And the Bible, du royaume. And the Bible calls it the good news that comes from the kingdom. La bonne nouvelle. The good news du royaume. From the kingdom. All of the kingdom. Si nous voulons être de bons témoins, so if we must be good witnesses of the Lord, nous devons rester focalisés. We must focus sur ce que le Seigneur lui-même, on the very thing the Lord himself, a enseigné, taught us. L'apôtre Paul, Apostle Paul, a renseigné cela. Said it. En Romains 1 verset 16, il a dit. In Romans 1, 16, il a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. He said, I'm not ashamed of the gospel. C'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Pour le salut de quiconque. For the salvation of anyone who believes. C'est la même chose. That's the same thing. La bonne nouvelle. The good news. Du royaume. Of the kingdom. Le mot évangile dans la Bible. The word gospel in the Bible.
est traduit dans pratiquement dans 74 versets de la Bible. Is presented in about 64. 14 versets. In 74 verses in the Bible. Et cela signifie. And that means la bonne nouvelle. The good news. I mean, the gospel means the good news. Mais dans le sens d'une nouvelle qui est trop bonne pour être vraie. But the goodness of that good news is so good to be believed easily. C'est ce que Jésus avait à l'esprit. That is what Jesus had in mind. Une nouvelle. A new qui est trop bonne pour être refusée. A new that is so good to be believed. Qui est trop bonne pour être rejetée. It is so good that people cannot reject it. Personne ne pourra entendre cette nouvelle et la refuser. No one can hear that good news and just reject it. Et c'est ce que Jésus est venu annoncer. And that is exactly what the Lord Jesus Christ came to present to us. À cette époque, au temps de la Bible, in the days of the Bible, il y avait rarement de bonnes nouvelles. There were few good news. Les hommes souffraient de maladies. People were suffering from sickness. De malnutrition. From lack of food. Ils avaient toutes sortes de douleurs, toutes sortes de problèmes. There were so many problems with them. Donc quand Jésus s'est présenté, so when Jesus appeared to them, disant qu'il était porteur d'une bonne nouvelle, and he told them that I have a good news for you. Même les plus incrédules étaient obligés d'écouter ça. Even those who could not believe were to listen to him. Et c'est ce que nous devons faire en tant que témoins. And that is exactly what we must do as witnesses. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. We are bearing a good news. Les nations sont malades. Nations are sick. Les nations se meurent. Nations are dying. Nous avons quelque chose. We have something in us. Nous avons un dépôt. We have something in us. Nous avons un message. We have a message. Que personne ne pourra refuser. That no one can refuse. Personne ne pourra refuser cela. No one can refuse. Voici ce que c'est que le monde. This is what the gospel is. Et the Bible says, c'est la bonne nouvelle. It is the good news du royaume. Of the kingdom. Laisse-moi vous introduire le royaume. Let me mention a little bit. Dans le livre de la Genèse, lorsque Adam a péché, in the book of Genesis, when Adam sinned, la Bible dit que Adam a perdu un royaume. The Bible let us understand that Adam lost a kingdom. Romains 3, verset 23 dit, Romans chapter 3, verse 23 says, quand tous ont péché, all have sinned, et ont été exilés. They fall short from the glory of God. Et ont été privés. They fall short from the glory. De la gloire de Dieu. From the glory of God. Le péché, sin, a fait de la race humaine, made the human race, une race d'exilés, to be a race of exile. La gloire de Dieu est notre habitat naturel. The glory of God is supposed to be our natural habitat. Nous avons été conçus dans la gloire pour vivre dans la gloire. We were conceived and built and created in glory to live in glory. Et la gloire de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit. And the glory of God is manifested by the Holy Spirit. Donc Adam a péché. So when Adam sinned, Adam a perdu la gloire. Adam lost the glory. Il a perdu le Saint-Esprit. He lost the Holy Spirit. Il a perdu l'influence du royaume. He lost the influence of the kingdom. Lorsque Jésus est venu, that is why when Jesus came, en Luc 12, verset 32, in Luke 12, 32, Jésus dit, Jesus said, n'aie pas peur. He said, don't be afraid. Petit troupeau, fear not, car votre père, for your father, a jugé bon, has decided de vous donner, to give you the royaume, the kingdom. C'est la parole de Dieu. That is the word of God. Jésus n'a pas voulu nous donner une religion. Jesus did not come to give us a religion. Jésus est venu nous donner un royaume. He came to give us a kingdom. C'est ce que la Bible dit. And that is what the Bible says. Et je crois ce que la Bible dit. And I believe in what the Bible says. Le mot royaume dans ce passage, the word kingdom in this passage, vient d'un mot grec basileia qui signifie, comes from a Greek word basileia that means domination. Domination. Yeah. Gouvernement. Governance or government. Régime. A régime. Le mot royaume, c'est le gouvernement de Dieu. The word kingdom is the government of God. Et dans le gouvernement de Dieu, celui qui est chargé de faire exécuter les décisions de Dieu. And in the kingdom of God, the one who is supposed to execute the decision of God. C'est celui qui détermine la feuille de route de Dieu. The one who decides, I mean, who is supposed to do what God decides? C'est le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. C'est celui qui atteste du royaume. It is the Holy Spirit that testifies of the kingdom. C'est lui qui rend visible le royaume. Is the one who makes the kingdom visible. C'est lui qui manifeste le royaume. Is the one who manifests the kingdom. C'est lui qui déploie le royaume. The Holy Spirit presents the kingdom. C'est lui le Saint-Esprit. Is
Donc, God. Donc Adam a péché. So when Adam sinned, Adam a perdu un royaume. Adam lost the kingdom. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Donc, Jésus vient nous redonner le royaume. By the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ come back and give us the kingdom. Voici pourquoi. That is why. En Matthieu 6, verset 33. In Matthew chapter 6, verse 33. Jésus dit. Jesus says. J'accepte premièrement. He said, seek first le royaume. The kingdom et la justice de Dieu. And the righteousness of God. Pourquoi est-ce que Dieu nous demanderait de rechercher ce que nous avons déjà? Why is he asking us to do that? Pourquoi? Why? C'est ce que nous avons perdu que le Seigneur demande de rechercher. It's because we've lost it at the first place and wants us to get it back. Le royaume, the kingdom. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner. And that is why Jesus came to deliver unto us. Donc, lorsque Adam a perdu le royaume. So when Adam lost the kingdom, Adam a perdu une domination. He lost the domination. Adam a perdu une influence. He lost the influence. Adam n'était plus capable de dominer. Adam could no more dominate. Adam était chassé de l'Éden. He was sacked from Eden. Il a perdu une position. He lost the position. Il était dépourvu. He lost everything. De la gloire de Dieu. He lost the glory of God. Nous avons été conçus pour vivre la gloire. We have been conceived to live the glory of God. Nous sommes des êtres spirituels. We are spiritual beings. Naturelles. We are spiritual beings that are supposed to live spiritual experiences. Nous ne sommes pas des êtres naturels qui désirent vivre une expérience spirituelle. We are not natural beings that are eager to live a spiritual experiences. No. C'est ce que la Bible dit que nous sommes. What the Bible says that we are spiritual beings. Et c'est cette évangile du royaume. And it is that kingdom of it, that gospel of the kingdom. Que Jésus est venu annoncer. That Jesus came to announce to us. Le message des témoins de Christ. The message of the witnesses of Christ. C'est l'évangile. Is the gospel du royaume of the kingdom. Si nous parlons de beaucoup de choses, if we talk about many other things, c'est que nous perdons de vue cette réalité. And we lost nous sommes devenus serviteurs d'iniquité. Then we are no more the true witnesses Jesus is looking for. Il y a un seul message. There is only one message. Il y a une seule réalité. Only one reality. L'évangile. The kingdom. Du royaume. The gospel of the kingdom. Jésus ne prêchait pas la guérison. Jesus was not preaching healing. Jésus prêchait le royaume. He was preaching the kingdom. Qui était démontré par les guérisons. And that kingdom was demonstrated by healing. Jésus ne prêchait pas la prospérité. He was not preaching prosperity. Mais Jésus prêchait le royaume. But he was preaching the kingdom. Qui était visible par la prospérité. That was manifested by prosperity. C'est ce message. That is the message. C'est ce message que nous avons. That is the message we have in nous us. Avons un message. We have a message. Peu importe ce que les hommes disent, no matter what people can say, nous avons un message. We have a message. Et le temps est venu. And the time has come. Les hommes seront obligés d'écouter l'Église. Men will be obliged to listen to. Les nations seront obligées de se tourner vers le Seigneur. People, nations will be obliged to turn to. Parce que devant les calamités qui sévissent, because before the calamities, nous avons un message. We have a message. Qui est capable de changer l'ordre des choses. And that message can change. Nos dirigeants seront obligés. Our leaders will be obliged. Ils seront obligés. They will be obliged in the name of the Lord Jesus Christ. Ils viendront dans la maison de Dieu. They will come in the house of the Lord. Nous sommes capables de leur donner la paix qu'ils recherchent. We are capable of giving them the peace they are looking for. Nous sommes capables de leur donner la vie qu'ils recherchent. We are able to give them the life they are looking for. Parce que nous avons reçu de Dieu quelque chose. We have received from the Lord something. Nous avons un message. We have a message. Dis à ton frère, nous avons. The brother, we have a message. Nous savons le message. We have a message. Nous avons ce 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 message. We have a message. Et nos nations seront bouleversées. And our nation will be changed. Nos nations seront impactées. Our nation will be impacted. Nos nations seront guéries. Our nation will be healed. Jésus sera élevé. Jesus shall be lifted up. La gloire de Dieu sera manifeste. The glory of God shall be seen. Parce que nos nations seront cassées. Because that gospel of the kingdom shall be preached. Imagine dans une nation où cet évangile a prêché.
Because you imagine that in the nation, that gospel of the kingdom is preached. Les portes de l'Église sont en train d'être fermées. The handcuffs will be closed. Les vidéos clubs sont en train d'être fermées. The vidéos clubs will be closed. Les lieux de prostitution seront plus fermés. The places of prostitution will be closed. Parce que les hommes recevront la vie après. Because there we receive the life of God. C'est pour ça que Jésus a donné. That is why Jesus came. On s'y prête de prêcher. And he said, this gospel of the kingdom must be preached. Alors viendra la fin. Then the end will come. Si nous voulons atteindre le retour de Jésus, if you want to reach the return of the Lord, nous devons revenir à l'évangile authentique. We must come back to the true gospel. L'évangile du royaume. The gospel of the kingdom. Ça va atteindre le retour du maître. It will accelerate the coming of the Lord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone hearing me here? Bien-aimé, je suis témoin de cet évangile. I am a testimony, a witness of it. J'ai servi le Seigneur autrefois. I've served the Lord before. Jusqu'à ce que Dieu me révèle la vérité de ce message. Till the Lord revealed to me the truth about that. Il est simple, mais il est puissant. It is a simple message, but so powerful. Il est rempli de force de l'autorité. It is full of authority. J'ai vu cet évangile transformer la vie. I've seen that gospel changing life. J'ai vu cet évangile impacter la vie. I've seen that gospel impacting life. Nous avons un message. We have a message. L'évangile, the gospel of the kingdom. En quoi consiste cet évangile? What is the what is in that gospel? C'est le message de la restauration et du repositionnement. It is the message of restoration and repositioning. De la race humaine. Of the human race. Dans ses droits légaux. In his normal rights. Enfants de Dieu. Children of God. Par la personne et l'œuvre parfaitement achevée de Jésus-Christ à la croix. By the personality and the wonderful work of Jesus Christ on the cross of Calvary. C'est un message de restauration. It is a message of restoration. C'est un message de repositionnement. It is a message of reposition. Le péché nous a déconnectés de Dieu. Sin disconnected us from God. Le péché a détruit notre personnalité. Sin destroyed our personality. Mais Jésus vient avec cette nouvelle. But Jesus comes with that news. Nous reconnecter à notre héritage. And reconnect us to our inheritance. Nous dit exactement ce que Dieu attend de nous. It tells us exactly what God is waiting for us. Donc l'évangile du royaume redonne à l'homme sa place auprès de Dieu. So the gospel of the kingdom will help man to go back to God and give him the right position. L'évangile du royaume stipule que c'est Jésus-Christ qui a été désigné comme victime expiatoire pour nos péchés. The gospel of the kingdom says clearly that it is Jesus that was chosen as the sacrificed lamb for the redemption of mankind. Et c'est ce que nous disons aux nations. And that is what we say to the nations. C'est ce que nous annonçons. And that is what we announce to the nations. Cet évangile dit that gospel says le châtiment de la colère de Dieu that to hold the anger of God est tombé sur une personne nommée Jésus. There was a man called Jesus Christ who took Jésus-Christ a pris toute la colère de Dieu. And Jesus took all the anger of God. Quiconque le reçoit. For anyone who receives it. Donc désormais, so from now on, personne ne mourra pour ses péchés. Nobody is supposed to die for his own sin. Personne ne sera condamné pour ses péchés à lui. Nobody is supposed to be condemned for his own sin. Mais les hommes seront condamnés parce qu'ils ont refusé celui qui a porté nos péchés. But men will be condemned because they refuse to acknowledge the one who took our sins. Jésus. Jesus. 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 I want you to clap. Say that God wants to have a relationship.
relationship with man. Dieu veut une relation. God wants a relationship. Donc, lorsque nous rencontrons les gens, nous nous parlons de ces choses. So when we meet people who talk about those things, c'est ce que nous leur annonçons en tant que témoins. It is what we announce to them as witnesses. C'est ce que le Père a dit en Jean 3, verset 16. That's what the Father said in John 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. God so loved the world that he gave. Son Fils unique. His only begotten Son. Celui qui croit en lui ne périsse pas. Anyone who believes in him will not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But have eternal life. Quelle belle parole. What a wonderful word. Quelle belle parole. What a wonderful word. La mort de Jésus à la croix. The death of Jesus on the cross. C'était pas le but de Dieu. Was not the final goal of God. C'était pas le but de Dieu. It wasn't the final goal of God. Mais c'était le moyen pour atteindre le but. But that was the means to achieve the goal. Le but c'est la vie éternelle. The goal is life eternal. Dieu veut te donner la vie éternelle. God wants to give you eternal life. C'est le verset le plus célèbre de la Bible. That is the most unknown verse in the Bible. Mais incompris par la multitude. But it is not well understood by the multitude. Incompris par la multitude. Not well understood by the multitude. La vie éternelle dont Dieu parle ici n'est pas une vie après la mort. The eternal life God is talking about here is not a life after death. Ne pas mourir aller au ciel. It's not just about dying and going to heaven. Un jour Jésus a expliqué. One day Jesus explained. En quoi consiste réellement la vie éternelle? Jesus explained it to some people. Jean 13, Jean 17, verset 3. In John 17, verse 3. Il dit oh la vie éternelle. It says eternal life. C'est qu'ils te connaissent. Is that they will know you. C'est qu'ils te connaissent. They will know you. Toi le seul vrai Dieu, the only true God, et celui que tu as envoyé, and the one who sent. Donc la vie éternelle, so eternal life, c'est connaître Dieu intimement, is to know God intimately, intimement, with that deep intimacy. Le mot connaître ici fait référence à Genèse chapitre 4. This word known here is referred to the verse to the chapter 4 of Genesis. C'est la même définition lorsque la Bible dit Adam connut Eve. When the Bible says and Adam knew Eve, that's the same word here. Il connut Eve. He knew Eve. Et Eve enfanta. Then Eve gave birth. Donc la Bible dit oh la vie éternelle c'est qu'il te connaît. So when the Bible says eternal life is that they will know you. Tu parles d'une intimité. God is une connaissance intime. The Lord is talking about intimacy. Rapprocher. Rapprocher. Something very close. Est-ce que quelqu'un me comprend? Are we together here? Yes. Rapprocher. Dieu veut te connaître. God wants to know you personnellement. Personally. C'est ça la vie éternelle. That's eternal life. Ça n'a jamais été la vie après la mort. It's not about you dying and going to heaven. Parce que pourquoi beaucoup de personnes voient Jésus comme une garantie contre l'enfer? That's why many people see Jesus Christ as a guarantee against hell. Non, Jésus n'est pas une garantie contre l'enfer. Jesus is not a guarantee against hell. C'est le plus bas niveau de la foi chrétienne. That's the lowest level of the Christian. Toute la richesse du christianisme se trouve dans cette expression. Connaître Dieu. The richest of the gospel or the Christian of Christianity is found in this word to know. Voici cet évangile que Jésus a passé. This is the gospel Jesus preached. Parce que comment? Parce que cet évangile, le message principal. The main message of the gospel that is it. Et quand tu lis les actes des apôtres. And when you read the book of the Acts of Pierre Acts, et les autres. Peter and the rest. Étaient focalisés sur ce message. Were focused on that message. Ce Jésus que vous avez rejeté. This Jesus that you rejected. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. God raised him from the dead. C'est par lui que le pardon des péchés est prêché. And it is by him that we can preach. Qui comprend en lui la vie. And anyone who believes in him will have life. Et le royaume était manifesté par toutes sortes. And the kingdom was manifested through several different types of signs. C'est si simple. It is so simple. Voici le message. This is the gospel and the message. Voici le message. This is the message. Donc, si nous servons le message, so if we get that, donc on est maintenant comment Christ a présenté ce message. We now know how Jesus introduced that message to us. Comment il a fait connaître ce message? How he introduced that message to us? Comment il a enrôlé des hommes et des femmes? How he was able to take and convince people? À cette bonne nouvelle qu'il était venu annoncer. That good news he came to announce. Certains seront choqués ce matin. Some people will be shocked this morning. Proverbe chapitre 16 verset 6. Proverbe chapitre 16 verset 6. La Bible dit, the Bible says, par la bonté et la fidélité, verset 6. Proverbe chapitre 16, verset 6. Okay, Proverbe chapitre 16, verset 6.
par la bonté et la fidélité, by mercy and truth, on expie l'iniquité. Iniquity is purged. Et par la crainte de Dieu, and by the fear of the Lord, on se détourne du mal. Men depart from the evil. Mais c'est ce que moi j'ai constaté personnellement. This is what I made out of this verse, personally. Beaucoup de choses sont dites. Many things have been said. Mais le Seigneur montre ici le moyen par lequel. But the Lord shows us here the means by which les hommes doivent être sauvés. Men can be saved. Voici une erreur que les gens font aujourd'hui. This is one of the errors we make most of the time. Prêcher la colère de Dieu. To preach the wrath of God. Pour que par peur du châtiment. So that when men are fear, are afraid about that. Les gens se détournent de leur péché pour accepter Jésus. Come to the Lord Jesus. N'est pas le meilleur moyen pour amener une âme au Seigneur. It's not the best way to bring a soul to the Lord. La Bible dit dans ce texte. The Bible says in this portion of the c'est par la découverte de la bonté et la fidélité. It is through the discovery of the goodness of God. Qu'on expie l'iniquité. That sin is removed. Mais la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. But the fear of the Lord. On se détourne du mal. By the fear of the Lord, we depart from evil. Je crois que l'enfer existe. I believe hell exists. Nous prêchons cela dans nos assemblées. And we preach that in our churches. Mais ce n'est pas le moyen prôné par Dieu. But it is not the promised way of God. Pour les hommes adhèrent à cette évangile. For people to come to the gospel. La Bible dit. The Bible says. C'est par la bonté. It is by the goodness. Et la fidélité. And the fidelity or faithfulness. Que le péché est expié. Oh, let me read this straight from the Bible. Regardez, by mercy and truth. Un autre passage encore pour dire ce que je suis en train de dire. So another passage for me to emphasize what I'm saying. Romains 2 verset 4. In Romans chapter 2 verse 4. Où méprises-tu la richesse de sa bonté? Romans chapter. Romains chapitre 2 verset 4. Romans chapter 2 verse 4. Okay, it says, or despise thou. Où méprises-tu la richesse de sa bonté? Or despise thou the riches of his goodness? De sa patience et de sa longanimité. And forbearance and long suffering. Ne reconnaissant pas. Not knowing. Que la bonté de Dieu. That the goodness of God. Te pousse à la repentance. Leads thee to repentance. La Bible dit. The Bible says. C'est par la découverte. It is by discovering. De la bonté de Dieu. Discovering the goodness of God. De l'amour de Dieu. The love of God. Que les hommes sont poussés à la repentance. That men are pushed or convinced to repentance. Non par la découverte de la colère de Dieu. Not by discovering the hunger of the wrath of God. Voici pourquoi j'aime cette expression. That's why I love this. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. His banner over us is love. Dieu veut. God wants. Que nous montrons à l'humanité. That we show to the rest of mankind. Sa bonté infinie. His goodness. Son amour infini pour eux. His love for them. Ce monde a besoin d'amour. This world needs love. Ce monde n'a pas besoin d'être jugé. This one doesn't need to be judged. Le péché est déjà un fardeau pour eux. Sin is already a burden to them. Ils ont besoin d'avoir affaire à un Dieu qui les aime. They need to have a close relationship with the God who loves them. Un Dieu qui se soucie d'eux. A God who cares for them. Un Dieu qui veut les accepter tels qu'ils sont. A God who wants to accept them no matter how they are. Et que lui-même se chargera de les sauver. And himself will take care of them. Paul dit. Paul says. C'est la bonté de Dieu. It is the goodness of the Lord. C'est l'amour de Dieu. The love of God. Il va pousser quelqu'un. That must push someone. À la repentance. To repentance. C'est cela que la Bible a dit. That's what the Bible Dieu attend t'aimer. That's what the Bible says. God il so attend t'aimer. So long. Il attend t'aimer so le monde. So long the world. Il attend t'aimer le monde. So long the world. Ce n'est pas par la colère. It's not by anger. Il a envoyé Jésus. That he sent Jesus. C'est par l'amour. It is by love. L'amour est le prétexte que Dieu s'est trouvé. Love is the main God used. Pour nous sauver. To save us. L'amour. The love. Et partout Jésus passait. And wherever God, Jesus was going. L'amour. The love of God. Lorsqu'on a présenté à Jésus cette femme prostituée. When this prostitute woman came to Jesus. Il n'a pas dit à Jésus n'a pas dit il y a 25 démons des hommes en toi qui vivent dans l'adultère dans le péché. He didn't condemn them by saying you have about 25 demons living in you and we see that leave go get away from me. No. Jésus l'a regardé avec des yeux pleins d'amour. He looked at her
And his eyes sont full of love. Je ne te connais plus. And he said, I will no more condemn you. Va et ne pêche plus. Go and see no more. Bien aimé, rien ne valorise autant que l'amour. Nothing is much important or more important than the love of God. L'amour valorise. Love can take you to another level. L'amour valorise. Love can give you that value. L'amour vivifie. Love can give you life. L'amour met en confiance. Love can give you confidence. L'amour. Love. On peut tricher en tout, on ne peut pas tricher en amour. We can we cannot fake love. On ne peut pas tricher. We can't fake love. Parce que l'amour est démonstratif. Because love must be demonstrated. Et Jésus l'a démontré. And Jesus demonstrated. Le Père l'a démontré. The Father demonstrated. Par la découverte de l'amour. By the discovering of love. Les hommes vont se repentir. By discovering love, si, then we can see the love. Si nous représentons un Dieu qui les sert. If we introduce to them a God that loves them. Regardons ce verset de Romains 5, verset 8. Look at Romans chapter 5. La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous. Romans chapter 5, verse 8. But God commanded his love towards us. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, in that where we were, dead sinners, Christ est mort pour nous. Christ died. Christ n'a pas attendu que tu deviennes meilleur. Dieu n'a pas attendu que tu deviennes meilleur pour qu'il donne Jésus. God did not wait for you to become. Alors que tu étais encore drogué, voilà. But what were sinners? Il a démontré la réalité de son amour. He demonstrated the reality of his love. Il a donné son fils. And he gave his son. L'amour que Dieu manifeste pour sauver les hommes est à son maximum. The love God demonstrates or manifests to save men is at its maximum. At his peak. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour amener Dieu à l'aimer davantage. Dieu t'aime totalement et au maximum. You cannot do much for God to love you more. He loves you already. C'est ce que la Bible dit. And that is what my Bible is telling me. Le miracle que Jésus faisait. The miracles Jesus was performing. Il ne les faisait pas par la foi. He was not doing them by faith. La motivation derrière le miracle était l'amour. The motivation behind those miracles was love. Parce que le ministère de puissance va avec le ministère de compassion. That's why the ministry of power goes hand in hand with the ministry of compassion. Love. Ce monde a besoin d'amour. This world needs love. Ce monde a besoin d'amour. This world needs love. Toutes ces personnes qui ont eu des visitations de Jésus. Or the people who receive at one point in their life the visitation of the Lord. Ont été unanimes. They were all in one agreement. La chose qui irradiait de lui, c'était l'amour. The major thing they were seeing in that glorified Jesus was the love expression. Ce monde veut voir un Dieu qui aime. This world wants to see a God that loves. Un Dieu qui les aime. A God that loves them. Et si nous nous mettons sur la plateforme avec ce message de l'évangile. And if we stand on the platform with that gospel of the kingdom. Avec l'amour comme moyen pour pécher les hommes. With the love of God, so that we can take people out of their sin. Notre impact sera plus grand. Our impact in the world will be greater. Nos résultats vont se multiplier. Our results will multiply. L'amour. The love. L'amour de Dieu consiste à dire à ceux qui souffrent. The love of God consists in saying to those people who are suffering. Qui ne sont pas seuls. That they are not alone. Il y a un Dieu qui les aime. There is a God that loves them. Il y a des personnes qui sont tellement confuses. There are people that are so confused. Tellement confuses. So confused. Qui ne croient pas en rien. They believe in nothing again. J'ai vu l'amour de Dieu relever des familles. I saw the love of God bringing back families. J'ai vu l'amour de Dieu relever des vies. I saw the love of God bringing back lives. C'est ce que Pierre et les autres ont compris. That is what Peter and the rest understood. L'amour. The love of God. Homme du full gospel. People of the full gospel businessmen fellowship international. Vivons l'amour. Let's live love. Prêchons l'évangile du royaume par l'amour. Let's preach the gospel of the kingdom by demonstrating love. Permettez-moi de finir avec cette illustration de la Bible. Let me finish by this illustration of the Bible. Nous connaissons l'histoire du fou de Gadara. We know the story of the madman in Gadara. La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, the Bible lets us understand that when Jesus came, cet homme est arrivé vers Jésus. This man came to the Lord. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. When he saw the Lord, he just went on his knees. La seule chose que Jésus a fait, the only thing Jesus did, il a manifesté l'amour, is show him love. Il a ordonné aux démons de partir. He commanded the demons to leave the man. Cet homme a été guéri. That man was set free. La Bible dit qu'il a retrouvé tous ses sens. The Bible let us understand that he was totally free. Et il a manifesté le désir d'aller avec Jésus. And he decided to go with Jesus.
Jésus lui a dit non. And Jesus said to him, no. Tu n'as pas besoin. You don't need to follow me. Toi, you. Va annoncer. Go rather announcing ce que j'ai fait pour toi. What I did for you. Chaque fois que je lis ce passage, je m'arrête et je médite. Anytime I read this passage, I stop and I begin to meditate. Mais cet homme ne connaissait aucun enseignement sur la nouvelle naissance. But this man did not know anything about being born again. Il ne savait rien du Saint-Esprit. He didn't know anything about the Holy Spirit. Il ne savait rien de l'évangile. I mean, he didn't know anything about the gospel. Et Jésus vient de l'établir dans le ministère. And day and day, Jesus just established him in ministry. Comme missionnaire. As a missionary, pour aller, to go, annoncer l'évangile, and to announce the gospel. Je peux se faire méditer sur ce passage. I meditated on this passage several times. Qu'est-ce qui se passe? What is wrong here? What is happening here? Mais cet homme venait de voir l'évangile du royaume en action sous ses yeux. But the secret is that this man has just seen the gospel of the kingdom manifested through love. Il venait d'être témoin de l'amour de Dieu. He was a clear and true witness of what the love of God is. Il venait d'être témoin de la bonté de Dieu. He was a clear witness of what the goodness of God is. Il avait la preuve que Dieu est bon, que Dieu est amour. C'était palpable sous ses yeux. He had the proof that God was good. It was clear to him. Jésus a dit, c'est suffisant, va. And Jesus said, since you now know this thing, go. It's enough. Va annoncer aux hommes que je les aime. And announce to people that I love them. J'ai manifesté la bonté avec toi. Va, raconte la bonté aux hommes. I manifested goodness towards you. You also go. Les vies changeront de la même façon. And life will be changed. Je ne suis pas contre l'école théologique, l'école biblique. I'm not against theological school or theological Bible school. Comment je fais l'école théologique? I have done it some. Mais regardez cet homme. But look at this man. Jésus estimait que le peu qu'il savait était suffisant. According to Jesus, the little this man knew was enough. Beaucoup de personnes sont ici, ils attendent les signes de Dieu. Many among us are still waiting for a big manifestation of God. Ils attendent qu'un signe descende du ciel pour dire va. They are waiting for an angel to come down and say, oh, go now. Homme de foi gospel. Homme de foi gospel. Brethren, ce homme avait un message vivant, le témoignage de sa vie. This man had a message. A message from his own life. C'est ça l'évangile du royaume. That is the gospel of the kingdom. Le message de sa vie. The message of his own life. Autrefois, il ne connaissait pas Jésus. Voilà. He didn't know Jesus. Aujourd'hui, je l'ai rencontré. Today, I've met him. Bah, c'est la preuve du message qu'il m'a annoncé dans ma vie. And this is the proof of the message he delivered to me. Il allait dans le champ missionnaire. He went on the mission field. Tu as un message. You have a message. Tu as un message. You. C'est ça l'évangile du royaume. That is the message of the kingdom. Ce temps pressé chaque jour. J'étais fou. J'ai rencontré Jésus. Il m'a guéri. Jésus est bon. Jésus est bon. C'était le seul message qu'il avait. The message of this man was, I was mad, oh, I was mad. But when I met Jesus Christ, he set me free, oh, he set me free. Look at me, I am not free. This is full gospel. We should invite him in our chapter. Et ce message-là, tu l'as. And this message, you have it. Tu n'as pas besoin d'un signe. You don't need anything else. Lève-toi et annonce l'évangile. Just arise and go announcing this gospel. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Can we please stand on our feet for a while? I just want to pray briefly. L'amour de Dieu est ici ce matin. The love of God is here. Je peux sentir cela. I can feel it. Hallelujah. Hallelujah. Lève simplement les mains. I just want you to lift up your hands. Commence à prier simplement. And begin to pray. Commence à parler à Dieu. Begin to talk to the Lord. Commence à parler à Dieu. Talk to the Lord. Shalom. Commence à parler à Dieu. Begin to talk to the Lord. Begin to talk to the Lord. Dis à Dieu maintenant, j'ai un message, je sais ce que j'ai. Say to the Lord, now I have a message. I know what it is. I know what it is. On commence à parler en anglais. Begin to talk to the Lord. Shalamande, shalamande. On your own language, begin to talk. Lebrohot Abrahala Mande Bros. Pray an instant. Jesus. Pray for some time. Jesus. Thank you, Lord. Kalamashut Abraham. Kalamosh Abraham. Lote Kebrahala Mande Kilahat. Dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Say to the Lord, here, Lord, here I am. Utilise-moi dans mon lieu de service. Use me at my workplace. Utilise-moi dans mes affaires. Use me in my business.
Utilise-moi dans ma famille. Use me in my family. Dans mes relations. In my relation. Comme j'ai un message. Because I have a message. Je veux présenter ton amour aux hommes. I want to present, introduce your love. Utilise-moi maintenant. Use me from now. Shalamato rosha takaya. Matu kevrahala mandele bro shali tabraha. Mato kolobro sika piana piana in instant. Mato kolobro manda kila halabo. Rede vehala manda kila bo shala makayane. Reda bana manda kolobo sani halabo. Ili bahala mande kalabo. Skori bahari. Di mandele kalabo shala bahari. Merci Jésus. Thank you Lord. Merci pour ton amour. Thank you for your love. La bannière sur nous c'est l'amour. Your banner over us is love. Que l'humanité voit cet amour. Let humanity à travers le message que nous prêchons. Through this message we are preaching. Saint-Esprit. Je prie simplement, Seigneur. I want to pray, Lord. Voici nos mains levées devant toi. Our hands are lifted up unto you. Nous voulons être de bons témoins. We want to be your witnesses. Et nous connaissons le message que tu as prêché. And we know the message. Nous savons comment est-ce que tu as annoncé ce message. We know how you preach that message. Tu veux que nous présentons à l'humanité tes bontés et ton amour. We need to present to humanity your goodness and your love. Nous l'avons compris. We've understood it. Maintenant même. Now. Utilise-nous. Use us. Puissamment. Mightily. Puissamment. Mightily. Puissamment. Mightily. En tant qu'homme d'affaires. As businessmen, utilise-nous, use us, pour annoncer, to announce, la simplicité de ce message, the simplicity of that message, mais que sa réalité devienne manifeste, but his reality will be manifested, par les conversions, by conversion, par les guérisons, by healing, par les miracles, by miracles, par les prodiges, by signs and wonders, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, amen, amen.